Et oui, j'ai grossi. Et je vous assure, c'est pas mon corps qui a été vraiment le vrai problème. Ça a été le regard des autres, les commentaires déplacés, les « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» déplacés des gens. Le problème, en fait, c'est que notre société nous dit comment on doit s'habiller, ce qu'on doit manger ou non, et comment on doit être. Et du coup, pendant très longtemps, la mode, ça a été des filles comme ça. Et du coup, si tu ne rentrais pas dans cette norme, tu étais considéré comme gros. Et être gros, c'est être quelqu'un en mauvaise santé. C'est forcément manger mal. Et c'est forcément parce que tu ne fais pas d'activité physique. Hein, bonjour, Thibaut Enchep. Et en fait, en vrai, c'est pas du tout ça. Ça peut être par rapport à, oui, des blessures que tu as à l'intérieur de toi, mais ça peut être aussi par rapport à des problèmes de santé. Et les gens, en fait, ils vont s'arrêter au fait que oui, t'es gros. Et c'est pas bien. Et ils vont pas plus aller chercher. Et le problème, c'est que quand t'es au restaurant, par exemple, et que tu vas commander autre chose qu'une salade, et bien les gens vont te dire, mais tu es sûr? Tu penses pas que ça serait préférable de... Et en fait, en vrai, on dirait pas ça à une personne maigre. C'est dommage. Et je trouve ça vraiment triste. Triste aussi parce que dans le passé, dans une de mes relations, j'ai vécu avec une balance près de moi où je devais me peser tous les jours pour voir si j'avais pas pris 1 gramme. Parce que si j'avais pris 1 gramme, je devais aller faire 2 heures de plus de sport dans la journée pour être et correspondre aux critères de beauté que mon ex avait décidé que je devais respecter. Et si c'est pas une violence psychologique, je sais pas ce que c'est. Et en fait, le truc, c'est que j'ai très longtemps pensé que c'était tout à fait logique et normal que je doive respecter ce critère-là de beauté. Et en fait, quand c'est arrivé, quand j'ai vraiment grossi, quand je suis passée du 65 à 70, dont je me battais en fait presque tout le temps, et que je suis passée à 85, je me suis jamais sentie aussi bien. Je te dis pas que je suis hyper contente de pas rentrer dans la moitié de mes robes, mais en vrai, c'est pas grave, j'en rachèterai. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps, et même si ça ne se voit pas tout le temps, j'ai beaucoup plus confiance en moi, parce que j'ai appris à m'aimer pour ce que je suis et non ce que je devrais être. Au jeu de la société, en tout cas.